Hey, it's me, Blocky. J'avais envie de faire une petite vidéo là-dessus, du coup, bah je la fais, voilà. Caporal Faraday de la force de défense de Parce que j'aime Corral. bien StarCraft, et après Des tout, troupes bah, d'Amon pourquoi pas ont nous faire envahi en la ville. profiter à ceux qui ne l'ont Ils pas, implantent des etc. fragments Alors, du vide j'explique partout sur quoi dans je suis, le parce que ça Sud. va être un peu vite. Une Silence, fois là, j'ai envie de activés, parler. ces fragments signeront Voilà. l'arrêt de mort de ses habitants. Bah, laissez Nous causer, devons les voilà. détruire jusqu'au dernier avant que cela se produise. Ne me décevez pas. Oui, mais si. Alors, je disais donc, c'est une petite partie tranquille. Donc c'est simple, hein, c'est en gros là on est sur une partie en coop, donc on est deux et on doit détruire du coup bah, les fragments du vide. Voilà. Donc c'est tout. Mais ce qui est intéressant en fait dans ce jeu, c'est qu'a priori c'est des missions en coop sur ceux de la campagne. Donc c'est-à-dire peu importe si vous avez la campagne 1, 2 ou 3, vous pourrez toujours jouer du coup avec d'autres joueurs là-dessus. C'est juste les héros qui différencient. Par exemple moi vous voyez j'ai Karax, donc c'est un héros assez machine je dirais, enfin basé machine pardon. Mon allié il a Artanis, donc c'est basé plutôt sur les unités de combat. Donc moi là je vais me concentrer sur tout ce qui est unité d'infanterie, donc c'est les... Comment je vais piquer ça? C'est les... Enfin c'est des... Enfin voilà quoi. Vous verrez bien. Mais bon, disons que principalement ce sera plus sur l'aérien que je vais me lancer. Parce que j'adore l'aérien protonique. Peu importe, et je vais faire que je pense que ça vers la fin. Bon, bien sûr, vu que je serai peut-être une, je vais aussi faire les petites unités de base, donc les Templiers, enfin, c'est pas des Templiers, mais les comment on appelle ça dans le jeu? Les disciples, c'est ça. Je sais pas comment ils l'appellent dans le jeu, j'ai oublié, mais bon, peu importe. Tac. Les Veilleurs, voilà, c'est ça. Bon, en gros, c'est les disciples, mais en version robotisée, quoi, c'est tout. Donc, ils coûtent un peu plus cher, certes, mais ils sont puissants et accessoirement, ils peuvent se réparer grâce à ceci. Hein. Ah oui, puis qu'on est en difficile, enfin c'est un truc de mutagène, il y a aussi ces trucs à la con là, les trucs de Damon. Donc faudra faire attention. Tac 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 tac. Vous n'avez pas assez de minerais. D'abord, hein. Tac voilà. On va commencer à détruire ça toi, je m'occuperai du truc après. La base de vos alliés est assiégée. Ouais, peu importe. Regardez, admirez la puissance! La puissance! Voilà. Par contre, ouais, on va aller trouver le machin là-bas parce que c'est assez relou. Hein, j'aime pas quand je me fais attaquer comme ça à l'arrache. On va le bombarder. Voilà. Je suis en panne. On va construire. Mais mec, tu te fais attaquer là. Agis. Oh là là. Ah là là, les alliés. Alors oui, moi je suis pas très bon joueur, hein, je vous le dis cash. Là je suis en jeu masse, je fonctionne du coup au flèche directionnelle. Voilà, aux flèches directionnelles. Donc après, bon, ça peut en choquer quelques-uns. Pareil, je joue pas forcément avec la carte, je trouve ça chiant. Et j'utilise pas non plus un raccourci, ouais, parce que j'en ai pas besoin en fait. Donc ça devrait aller. Ah oui, puis juste j'ai Karax, j'ai aussi des bâtiments un peu différents de ceux qu'on doit avoir en général. 1, 2, 3. Le scanner a décelé un fragment du vide non loin de votre position. Votre objectif est de le neutraliser. Le messire, ça y est, ça c'est fait. On va aller s'occuper de ça. Et toi, bah écoute, tu vas rester en attente. L'ennemi s'est mis en mouvement. Nous devrions aller l'intercepter. Ouais, bah écoute. Chaque fois on s'entend, mon petit, chaque fois on s'entend. Déjà on va faire une petite défense parce qu'a priori il a dit il déconne. Oh ça va, tranquille, tranquille. Alors... Tac. Bon j'ai fait un peu de défense hein, du coup j'ai pas pu faire le reste. Mais bon c'est pas très grave. Je pense à plus tard. Alors on va commencer à défoncer tout le monde. Hop, je vous montre le deuxième sort du coup. Oui, qui est juste excellent.
En oui, en oui. Bon, pendant que je me démerde, parce qu'après mon allié sert à rien, voilà, c'est clair. Je vais continuer mon petit pied droit, là, c'est parfait. Hop, tac, 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 tac. Putain, mais j'ai Arthur. Pourtant, il est pareil au niveau de mon level. Hein. Mais franchement, il vaut pas mon niveau. C'est abusé, quoi. J'espère que je vais pas devoir faire tout seul, ce serait con. J'ai pas assez d'énergie, pas de la chance. Je vais faire ça aussi, là. Alors ça aussi, logiquement, on n'est pas censé l'avoir, c'est le bouclier. Donc ça permet, bah, comme on l'a dit, hein, bon faire travail. Le bouclier. Il faut juste faire pareil avec ceux qui restent. Putain, je me suis... Nouvelle. Ah si, ça y est, il est quand même venu. Plusieurs fragments du vide sont apparus. Votre objectif est de les détruire. Ah. Dirait-il, hop, tac, tu vas venir là. Hein. Toi aussi. Hop, un quatrième pour plus tard. Hop. On peut faire ça aussi pour sélectionner toutes les unités, hein. C'est clairement plus rapide. Eh. Bon, là j'envoie mes unités au suicide. Hop, comme ça. Voilà, ça c'est bien. Ah, ça c'est ce qu'on appelle de la destruction massive. Alors, hop, tac, 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 tac. Vous voyez, j'ai mis mon truc très bien placé, comme ça au moins je peux détruire tout ce qui pop devant ma base. Ce qui est relativement utile. Alors il y a ça aussi, c'est un peu chiant. Alors oui, je vous explique, c'est vrai que je peux expliquer. En fait, il va me casser les couilles. Voilà. Voilà, mais c'est très chiant parce que vous voyez, ça parasite un peu, mais vas-y, mais fais le tour là, de faire le coup. Ça parasite un peu le niveau, vous voyez, c'est parce qu'on est en mode mutagène, c'est-à-dire qu'il y aura à chaque fois des éléments un peu relous dans la zone. Donc faut faire avec, hein. C'est pas exceptionnellement grave. Alors il y a ça aussi que je pourrais utiliser, pas maintenant parce que voilà, mais j'utiliserai très prochainement quand ce bâtiment là sera fini. Ça permet d'améliorer toutes les recherches, ceux de mon allié compris, hein, bien sûr. Du coup, on va pas foutre. Ouais, je suis vraiment tombé sur un débile. Mais c'est pas grave. On va gérer quand même avec lui. Parce que si je commence à être un peu. Ah, enfin. Ouais, bah reste pas sur le côté, c'est pas grave. Merde, la plaque, voilà. Hop, fais ça là. Fais ça là. Tac. Ouais, parce qu'il y a ça en fait, donc j'essaie de protéger au maximum notre niveau de sécurité. Et moi, comme vous pouvez le constater, c'est pas évident. J'ai qu'un seul. Ouais, ils viennent à peine de construire la base secondaire. Enfin, ils, pardon, ils viennent à peine de construire. Donc c'est un peu la merde. Alors, tac. Tac et tac. J'active la poussée temporelle. Ça c'est cool. Cela devrait grandement. Ça aussi c'est des améliorations qu'on n'est pas censé avoir, mais vu que je suis OAC haut level du coup là-dessus, je me permets de faire des améliorations un peu plus sympathiques. Alors accrochage, j'espère qu'il y a des trous pour défendre. Parce que moi là non, pas vraiment. Pas trop ce qu'il veut faire. Des pirates de l'air Chimeran profitent du chaos pour voler des ressources. Descendez-moi ces traîtres si vous en êtes capable. Je m'en occupe sous peu. Vous
Alors j'aime bien ce truc là parce qu'en fait, vu que mes veilleurs ont une portée assez intéressante, même si je pense que je vais tout revoir, je suis aspiré. Du coup ça me permet de le voir et du coup de le pilonner si je suis assez près. Là c'est que je suis un peu trop près. Mais... Du coup, ben, c'est mieux. Ah ça. Hop, là on va réparer. Donc vous voyez, c'est pas spécialement dur, hein. C'est le juste que. Que le fragment du vide va bientôt oh putain, 3 minutes! Merde, j'avais pas vu! Oh là! Ce n'est pas bon du tout. Non, c'est pas bon, non! La base de vos alliés si mon allié se bouge pas les fesses, on est un peu dans la merde! D'ailleurs, je vais commencer un peu à étoffer mon armée. La base de vos alliés. Il y a lui aussi, il me reste 5 minutes. Bon, j'ai le temps. Hein. Qu'est-ce que ce truc à la con? Non, t'es pas dessus. Est-ce que je fais ça ou pas? Oh non, la flemme. On va faire aussi le spatioport. Tac. Et un deuxième pour plus tard. Donc là je suis à 18 partout, là pareil, je suis au maximum, bah écoute tu seras mon paysan d'Adak. Alors ça je tolère pas. Il s'est décalé mais pas vers le bon endroit, c'est un peu con. Ça, mec, il est plus que moi. Désinguez-moi ces fragments. What the fuck, ok. Encore un de neutralisé. Bien joué. Je ne détecte plus aucun signe d'activité de sa part. Hop là, voilà, plein aux as, ça le fait. Tac, tac. Vos alliés livrent bataille. Ok, il est vraiment trop. Bon, autant y aller avec toute l'armée. Hop là, tac. Ça c'est chiant aussi, comment ça. Hop. Ah merde, je l'ai raté. J'ai raté là. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a, j'ai l'archi, pense pas. Alors, je vais faire ça, je vais faire ça. Je vais pas encore faire ça parce que j'ai pas assez. Bon, là pour, les, pour ces trucs là, je fais un raccourci parce que c'est trop long. Aussi. Bon, comme vous voyez, vu que c'est un peu. Un peu la même. Tac. Hop là, bam. Je détecte une attaque ennemie imminente. On se déplace rapidement. Objectif bonus en cours d'expiration. Ah merde, ça. Ça va, je vais. Ah c'est là, juste insuffisant. Voilà, c'est réglé. La piraterie dans l'espace aérien de Coral. Pas de ça chez moi. Oh, le mec, le mec. Oh, le mec, le mec. Ah, attends, là j'ai un petit problème aussi. Hop, tiens, tu vas là toi parce que. Non, je ferai rien d'autre comme unité pour l'instant. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça quand j'aurai 300. Voilà, allons-y. Vous alliez libre bataille.
Hop là, tac. Bam. Ah lol, il m'en reste un quoi. Sérieux? La monnaie de leur pièce. Plus un gros pourboire. Défendez-les. Voilà, bon, pendant qu'ils se fight, alors pendant qu'ils se fight, je vais refaire ça, je vais faire quelques petits bonhommes. Je vais faire ça. 250, c'est un peu gros. Ah bah j'ai oublié de me porter mes cartes. Ah il a ça lui comme... D'accord, ok, je pensais pas. Ouais, on s'en fout. Et que par quoi? Par ça? Ah, c'est pas grave. Viens, mais là toi vite fait. Hé hey, c'est le dernier honneur d'enculé. Ouais, je fais ça. Il va falloir agir contre ces fragments du vide. On perd un temps précieux là. Ouais. Alors... Oh là 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 là. Ça c'est un Protoss à l'ancienne de l'ancienne quoi. Il sait faire que ça, voilà, toutes ses unités maintenant. Elles servent plus à rien. Je suis sûr il est pété thune en fait dans sa truc. Alors tac. Amélioration terminée. Je détecte des mouvements de troupes. Oh je lag. Préparez-vous à les intercepter. Alors on fait un troisième. Ah y'a ça là, ouais c'est vrai. Tu viens d'où toi? Tu viens d'où? Ah non, c'est pour ça que je veux faire. Oula. Oula. Oh là, oula. Oh là, oula, 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 oula. Bah putain mais. Ok. Allez, pousse là-dessus. Alors, bah écoute, on va se faire plaisir, hein. Hop, tac, tac, tac. Une petite poussée d'énergie, hop, voilà, tac. Oui, tac, ça peut être très utile, ça, effectivement. Hop. Tac. Nous en tirons bien. Gardons le rythme. Tac, tac, et tac. On n'a pas fait tout ce boulot pour abandonner maintenant. Démolissez ces fragments du vide. J'aime beaucoup la puissance de mon tir aérien. Putain mais mec, oh là là, putain, il gère que dalle. Vous avez vaporisé un autre fragment, commandant. Ouais, je sais. Allez, tous là-dessus. Hop là. Nous avons asséné un puissant coup à l'adversaire. Je demande s'ils ont le stone. Parce que, comment ça c'est censé stone du coup le truc là. Il va où? Ok, ça va. Mais du coup, je sais pas si ça le fait. Qu'un groupe de fragments du vide à neutralité. Ah on s'éclate comme on peut hein. Allez vas-y, fais te péter. Alors ah. Il me l'a détruit ou quoi? Ah non, pas touché. Merde, la chance j'ai raté. J'arrive pas à toucher l'autre. Ah là 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 là. Quel mauvais allié. Mais regarde, il y a encore toutes ces troupes là. Putain, mec. Oh putain. Sen, restons sen. Oh là, j'ai tellement de troupes. Je sais plus quoi en faire. On va refaire ça, tiens. Ça va m'occuper.
On doit détruire ces fragments avant qu'ils s'activent. Bougez-vous les miches. Eh, hey, parle bien là. L'ennemi vient nous chercher. Templiers, voilà. Préparez vos larmes. Alors, viens voir un peu ce qu'on a. Oh, mais vous avez été gravement blessé, vous. Bon, en même temps, je m'en fous parce que grâce à. Oh, mais du coup, là, lui. Voilà, il est en réparation automatique en fait. Grâce au rayon reconstructeur. Et comme toutes mes unités avec. J'ai appelé Kratos. Avec Karax sans mécanique, bah, du coup, voilà. Tranquille. Ah, je vais le laisser un peu, hein, parce qu'il sert pas à grand chose là avec le truc. Je vais lui laisser travailler tout seul, vous voyez, je le répare lui aussi en tant qu'allié. Donc, Oh, par contre, il reste pas beaucoup de temps, on va peut-être finalement y aller. Hein. Ouais, il reste pas beaucoup de temps, on va y aller. Nos bâtiments vont gagner en efficacité. Les guerriers ont engagé le combat. Vous n'avez pas assez de minerais. Oh lol. Recherche terminée. Une fois que j'ai passé le minerai, mec. Tu attends la fin du chrono. Après, j'enverrai toute ta sauce. Ouais. Allez, on y va. Vos guerriers ont engagé le combat. Excellent travail, oh, commandant. Là, là, là. Ce fragment est parti en fumée. Quelle destruction. Oh. Oh, quelle destruction. Il nous reste plus beaucoup de temps. Il faut qu'on se débarrasse de Oh, comment patrons. Je vous défonce la gueule. Boum, que dalle, regarde, j'ai résurrection, voilà, qu'est-ce qu'il y a. Je protégerai mes troupes jusqu'à la mort. Qu'est-ce que toi, t'es. Ah, ça commence à faire mal. Hein. Tous sur celui-là, s'il vous plaît. Pêchez-vous. Pêchez-vous. Parfait. Suivant. Effectivement, toutes les données confirment son élimination. Tous sur lui, s'il vous plaît. Oui. Wouhou. Trop facile. Voilà, c'était donc la... oui, je sais, la petite partie de StarCraft 2 en mode. En mode proto, j'ai envie de dire, parce qu'il y avait que ça dans mon équipe. Et du coup, voilà. Et je me casse parce qu'il était pourri, cet allié. Je suis très déçu. Putain, j'aurais pas fait mes tourelles et tout, il serait mort quoi. Pareil, il détruit pas en plus les trucs de pop des ennemis, donc pour le coup, c'est comme s'il servait à rien, putain. Il servait à rien ce mec, il servait à rien. Yeah! C'est quoi le prochain truc? Ah. Bah, les mirages, j'en fais pas, les portes-neuves, ça peut être intéressant. Alors, on va voir les statistiques. Putain, mais regarde-moi ça, quoi. Oh là là, oh là là. Ah. Enfin. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Blacky dans StarCraft 2. En mode cop. Et mutation. Parce qu'il y a les deux, en fait, hein, mais. Voilà quoi, logiquement il y a une petite barre là, mais vu que j'ai pas l'extension de ce truc là, techniquement bah je crois que je l'ai pas. Et je m'en fous parce que ça me sert à rien. Voilà, allez à plus!